hier. Quoi donc ? C'était le retour de Top Chef, Daniel ? Mais on s'en fout du retour de Top Chef ! Oh là là, patate, va ! Hier, il s'est passé quelque chose de bien plus important et de douloureux. Notre président, Mathieu Gallet, s'est fait virer par le CSA. Pour une fois qu'on avait quelqu'un de physiquement agréable dans cette foutue baraque et la maison de la radio, au nom de Dieu, qu'est-ce qui va devenir, Mathieu ? Merde ! Bon, faut que je me calme, je suis en train de devenir total hystéro. Bon, alors Hélène, qu'est-ce que vous vouliez ? Ah oui, Top Chef. Bah oui, top alors, chef. Top Chef. Oui, bon, ça y est, c'est parti. Ah, la belle affaire. 15 crétins qui vont se faire engueuler parce que leur mousseline de béchamel à l'écrevisse manque de caractère en fin de bouchée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein ? Tu sais l'affaire, toi, la béchamel à l'écrevisse, Hélène Roussel ? Non, c'est pas l'affaire. Mais personne, si c'est l'affaire. Personne ne veut l'affaire. Ça pue la béchamel. Les gens, ils veulent du poulet frites, voilà ce qu'ils veulent, bon Dieu. Et tu crois que ce sera quand qu'il mangera son prochain poulet frites, Mathieu Gallet, maintenant qu'il est dans la misère, hein ? Ah, tu crois que c'est quand son prochain poulet frites ? Peut-être jamais. Et puis non, tiens, pas jamais. Mathieu, si tu m'entends, si tu m'écoutes, je sais que depuis hier, tu es dans le besoin, camarade, je le sais. Tu as probablement fait le deuil du poulet frites. Eh bien non, non Mathieu. Si un jour, demain, même ce soir, tu veux un poulet frites, ça résonne comme une lueur de réconfort dans la tempête que tu traverses, eh bien, viens à la maison. Oui, viens, Mathieu, je te ferai un poulet frites. Un bon, un vrai, un gros, un joufflu élevé en plein air. Et les frites, ce sera des frites de compète trempées dans deux bains différents. Oui, viens, et en plus, on se boira une bonne bouteille de pinard. C'est la moindre des choses, quand même, les amis. Alors oui, Hélène, je sais, top chef, oui, bon, mais alors cette année, c'est la 9e saison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, mais c'est, voilà, ça a l'air aussi chiant que la 8e. Hein. Non, mais je sais pas, mais de vous à moi, hein, Philippe Etchebest qui hurle, attention, attention, c'est pas une présentation digne d'un candidat top chef, soit une représentation, je m'en tamponne. Et la présentation de Mathieu Gallet, hein, vous croyez qu'elle va rester digne maintenant qu'il est rentré avec fracas dans la catégorie CSP-, hein? Et dans 3 semaines, quand il sera dans la misère, hein, ce sera quoi sa présentation, hein, monde de merde? T'inquiète pas, Mathieu. T'inquiète pas. Si un jour tu as besoin, n'hésite surtout pas. Passe à la maison. Viens prendre une douche. Oui, j'ai du gel douche. Premier prix, monoprix au pamplemousse. Ça sent hyper bon. Bon, les deux premières heures, ça gratte la peau, mais ça passe. Ah, premier prix, on peut pas tout avoir non plus. Et puis pour les fringues, j'ai un copain qui est vendeur chez GoSport. Il peut nous faire un petit 30% en plus que la remise des soldes. Tu verras, une bonne douche, un jogging neuf et un délicieux poulet frites. Ça va te remonter le moral, ça. Ah bah désolé, hein. Top Chef, on en parlera une prochaine fois, Hélène. Là, on n'a pas le temps. Et puis si vous voulez parler gastronomie, bah, allez demander à notre spécialiste en dessert bio. Vous le connaissez, c'est Nicolas. Salade de fruits, joli, joli, joli. De Morand, qui à 8h20 recevra Christophe Castaner pour parler pièce montée et crise de foie.